dit à personne. J'ai trouvé quelque chose de très spécial. Un bâtard, mon rachet grand cru. Tu pourras goûter dans quelques années. On trinque. À Lisa. Et à toi. Les habitants de la ville Relais du Sud ont essuyé de nombreuses attaques terroristes ces derniers temps. Je veux que vous leur apportiez tout ce que vous pouvez en quantité suffisante. Nourriture, ocytocine, tout l'essentiel. Rien de tout ça ne peut être envoyé via l'imprimante chirale. Traitement de la commande impossible. Traitement de la commande impossible. Veuillez patienter jusqu'à résolution du problème. Oh, bonjour. Vous êtes bien Sam Bridges? Je suis vraiment désolé, hein. Je crois que le système débloque complètement.
L'un des colis n'a pas été traité correctement, il faut croire. Il n'a pas été inclus dans la commande. D'après ce qui est écrit ici, la cliente est fragile elle-même. Il y a eu double identification et le système n'arrivait pas à déterminer si c'était pour Fragile Express ou bien pour Bridges. Enfin bref, désolé pour le dérangement et... attention, le contenu est fragile. Bon allez, au revoir.
dégourdissent les gens. Allez, faut y aller. Thank you.
se calmer. Secret dénudé. Bonne journée. Merci pour le coup de main. Ça, c'est pour toi. Merci pour le coup de main. Une bonne journée. Ça ira pour une fois. Thank you.
vol. Moi c'est Sam. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. D'après ce qui est écrit ici, la cliente est fragile elle-même. Attention. Le contenu est fragile.
Traitement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vers fin de l'interdiction des armes. C'est vraiment pour Fragile? Mais où est-ce qu'elle est, au fait? Du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Bien. C'est vraiment pour Fragile? Mais où est-ce qu'elle est, au fait?
On l'a vraiment échappé belle. Vous avez sauvé la ville et ses habitants. C'est tellement plus que tout ce que j'ai pu faire. La ville relais médiane ne pouvait pas être sauvée. Contrairement au relais du sud. Qu'on a sauvé, vous et moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand j'ai fini par comprendre ce que Higgs avait en tête, la bombe était déjà aux portes de la ville. J'ai suivi le camion de livraison et je me suis arrangée pour mettre la bombe en sûreté. Mais Higgs savait exactement ce que je mijotais. Il a sagement attendu que je franchisse les portes, la bombe dans les bras, pour venir me cueillir tout sourire. Alors, pour me punir, il m'a complètement déshabillée. Et puis il a fait pleuvoir. Écoute-moi bien, Fragile. J'ai une proposition à faire. Est-ce que tu préfères voir ta réputation brisée jusqu'à la fin de tes jours? Ou alors préfères-tu te faire briser, toi, sur le champ? Tu peux être plus clair? Oui, bien sûr. Tout ce que tu as à faire pour t'en tirer à bon compte, c'est tenter un passage. En revanche, s'il est plus important pour toi de mener cette croisade altruiste à son terme, alors il va falloir que tu ailles te débarrasser de ma bombe, en personne, au lac sans fond. Évidemment, dans ce cas, tu auras sauvé la ville. Mais il faudra que tu subisses les effets des précipitations sur ton corps. Tu échangerais une grande partie de ton temps contre un petit peu de celui de la ville? Franchement, ça me paraît honnête comme proposition, non? Je vais te faire une petite confidence. Tu vois, je n'aime pas tellement mon visage. C'est pour ça que je le cache. Mais le tien... tu l'aimes. Tu l'adores, pas vrai? Je parie que papa en était très fier. Oh, oh non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas l'abîmer. Au contraire, je veux que ce soit une sorte de témoignage. Oui. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui n'ait pas besoin de porter un masque. Oh. Je préfère te prévenir. Même si en faisant ça, tu sauves le relais du Sud, tu seras toujours la cinglée qui a fait sauter la ville relais médiane. Ton joli visage restera à tout jamais gravé dans les mémoires comme celui d'une terroriste. Ils te pourchasseront pour toujours, et je sais de quoi je parle. On peut toujours te mettre une étiquette, tu te briseras quand même pendant le transport. Alors,
Est-ce que tu t'es décidé? Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Eh bien, bon courage alors. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je m'appelle Fragile, mais je suis du genre coriace. Je comprends mieux. Vous êtes une véritable héroïne. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça vous revient. Je ne suis pas une héroïne, Sam. Le choix que j'ai dû faire... Je le regrette tous les jours depuis. J'aurais pu me sauver facilement. J'avais qu'à tenter un passage. Mais au lieu de ça, vous avez sauvé une ville. Et tous ces gens ont retrouvé l'espoir. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'une seule personne à sauver. Je vais faire regretter à X d'avoir croisé mon chemin. Vous voulez le tuer ? Je ne peux pas. Il est plus puissant maintenant qu'il ne l'a jamais été. Mais vous, vous pourriez y arriver. Vous êtes fort. Promettez-moi. Promettez-moi que vous le garderez en vie. Il y a quelque chose que je veux lui demander en personne. Je pensais pas que c'était votre truc, la torture. J'ai changé. Et je veux qu'il me dise pourquoi il m'a trahi. Vous en voulez ? N'oubliez pas d'aller approvisionner la ville relais du Sud. Excellent travail, Sam. Dire que quelqu'un a réussi à passer une fausse commande au nom de Fragile et a failli vous faire livrer une bombe. Si vous ne vous en étiez pas débarrassé, une ville relais entière aurait pu être rayée de la carte. Je ne sais pas comment vous remercier.
Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Armes détectées. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Bienvenue dans la ville relais du Sud. Continuez jusqu'au centre de distribution. Content de vous voir. Vous imaginez pas comme on avait hâte. Il y a plein de gens qui souffrent ici. On va commencer par ceux qui en ont le plus besoin. Vu la quantité, tout le monde devrait avoir sa part. On vous doit une fière chandelle. C'est vrai, le réseau chiral devient enfin une réalité. J'en reviens pas, sans rire. J'ai l'impression de rêver. Et si c'est pas un rêve, alors oui, on veut en faire partie. Je crois qu'on n'aurait pas survécu sans aide extérieure. Le réseau chiral pourrait tout changer. Les réparations seraient plus faisables. Ça pourrait nous aider à nous remettre enfin sur pied. Ce cadeau que vous nous faites est bien plus précieux que vous n'imaginez. Quand on a perdu la ville relais médiane, on a bien cru que la violence n'en finirait jamais. Chaque jour, je me réveillais en me disant que ça pourrait bien être le dernier. Et pourtant, nous voilà. Par la grâce de... Ouais, enfin... Disons seulement que je crois pas au miracle, ou à la chance. Ça, non. Je crois en l'humain, et c'est des humains qui nous ont sauvés. Tout comme vous l'avez fait aujourd'hui. Alors c'est à notre tour de nous reprendre, et d'en faire autant pour les autres. Désolé, il faut que j'apporte ça aux autres. On vous remercie beaucoup. Bon travail, Sam. Je vais m'assurer que votre matériel soit à votre disposition. Inutile de vous rappeler de faire preuve de prudence quand vous viendrez le chercher.
Tu as sauvé la ville relais du Sud et rapproché encore les habitants de ce pays. Tu es à mi-chemin de nous rendre notre intégrité. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Sam, on vient de perdre la connexion avec Amélie. On faisait passer ses appels par l'ancien système. Il doit y avoir un souci sur les lignes. Je vais m'en occuper. Espérons que ce n'est rien de plus grave. Sam, je détecte un pic chiral, tout près de votre position. Les stats sont hors normes. Ça pourrait expliquer l'interruption de service brutale. Quelle qu'en soit la cause, elle pourrait faire courir un risque au vide-relais. Allez enquêter sur le terrain. Sam, collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. Envie de dormir.